La révolte mongole me touche beaucoup, comme la révolte tibétaine, comme la révolte de tous les peuples opprimés. Nous, on a la chance ici en France de, aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manifester dans la rue. Eux, non. Il n'y a pas si longtemps, il y a 70 ans en France, on a vécu aussi l'occupation, parce que ce qui se passe dans ces pays-là, c'est une occupation militaire. Et là, on essaie de leur interdire de... On veut leur interdire d'apprendre leur langue, de parler leur langue, de suivre leur culture, leurs coutumes. Et c'est inadmissible. Nous, en France, on a des droits, mais des droits, c'est pas forcément acquis. Voilà, et il faut soutenir les autres peuples qui ont besoin de ces libertés pour ne pas perdre la nôtre. Et c'est important que tous les peuples soient unis.